municipal en direct, que je salue. Et donc, avant de démarrer la séance du conseil municipal, je vais vous proposer d'entendre et d'écouter avec beaucoup d'attention notre nouveau maire junior, Baudouin Bankowski, qui va nous faire sa première, alors pas la première déclaration, puisqu'il l'a fait pour être élu, mais sa feuille de route et son programme qu'il veut mettre en place avec tous ses conseillers municipaux et conseillères municipales juniors sur la ville de Thionville, sur sa mandature, en sachant que ça va être une année très riche pour Baudouin, puisque on l'a évoqué il y a quelques instants, il y aura bien sûr le passage de la flamme olympique le 27, l'inauguration du grand complexe Jean Burgiel le 27 juin, et puis le 80e anniversaire de la libération de Thionville, donc le 9, 10, 11 novembre, un déplacement sur la base aérienne de Nancy-Hochet, que nous ferons en principe le 29 mai, et puis un déplacement au cimetière américain de Saint-Avold, qui est le plus grand cimetière américain en Europe actuellement, de façon permanente. Voilà, mon cher Baudouin, donc je te passe la parole. Monsieur le maire, chers élus du conseil municipal, je vous remercie de m'accueillir parmi vous ce soir. Je m'appelle Baudouin Bankowski, j'ai 10 ans et je suis en CM2 à l'école Notre-Dame de la Providence. En dehors de l'école, je fais du parcours, du piano, du tennis et je suis louveteau. Je suis quatrième d'une fratrie de 5 enfants. J'habite rue du Payot à Thionville. J'ai été élu maire junior par le conseil municipal des jeunes le 16 décembre 2023. Je vais tout d'abord revenir sur ce qui m'a poussé à arriver jusqu'ici devant vous. Ensuite, je vous parlerai brièvement des projets en cours au CMJ. Enfin, je me permettrai de revenir sur 3 nouveaux projets que j'avais présentés lors de mon discours du 16 décembre. Comment en suis-je arrivé là ? Les élections du CMJ m'ont été présentées à l'école en CM1 et aussitôt, j'ai voulu me présenter. Une fois au CMJ, pas de doute, il me fallait briguer le mandat de maire junior. En 2022, je me suis présentée une première fois. Certains parmi vous se souviendront peut-être de ma grande déception quand les urnes impitoyables ont dévoilé mon score. Une voix, la mienne. Quel échec cuisant. Il m'a fallu reconnaître que le maire junior Maxence Girard était à la hauteur de la tâche et que son discours avait été épatant. Et oui, si je voulais entrer en politique, il me faudrait travailler pour conquérir mon électorat. Encouragée par un membre du Conseil des Sages et inspirée par Maxence, j'ai donc présenté à nouveau ma candidature, fort de propositions novatrices que j'ai cherchées dans ma vie citoyenne thionvilloise. En interrogeant mes copains, en cherchant ce que réellement j'aimerais changer, tout en restant les pieds sur terre. J'ai donc été élue en 2023. Aujourd'hui, je me sens vraiment privilégiée d'être devant vous. Il est vrai qu'en tant qu'enfant, on se contente le plus souvent de profiter ou de subir ce que décident les adultes. Or, depuis que je suis maire junior, je vois que les projets menés au CMJ sont pris au sérieux et mis en œuvre. Je crois que les enfants peuvent rendre le monde meilleur. Ils le peuvent déjà ici, à Thionville, et c'est ce que j'aime. À présent, je vais vous parler des projets du CMJ. Le CMJ a commencé avant moi, il se poursuivra après moi. Je ne suis que le relais de beaux projets que je me permets de rappeler. Le premier projet est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés par la ville. J'aime tous les sports. Ce projet me passionne et pouvoir faire vivre les Jeux Olympiques à la petite échelle de Thionville est un beau challenge sportif. Par ailleurs, ma grande sœur Aliénor, atteinte d'une forme légère de handicap, me fait me souvenir que j'ai envie de m'engager pour que les personnes handicapées puissent aussi vivre un moment merveilleux. Le deuxième projet concerne la lutte contre le harcèlement avec la création du banc de l'amitié grâce au soutien du Conseil des Sages et du lycée de la Briquerie.
Un recueil de textes écrits par plus de 500 élèves de Thionville est en cours de création pour valoriser la parole des enfants. Le harcèlement est insidieux, j'en ai moi-même fait les frais. Je soutiendrai donc évidemment toute forme d'action en ce sens. Le troisième projet concerne la lutte contre le tabagisme auprès des enfants. Même si la situation s'améliore, il est nécessaire de continuer nos efforts de prévention. Si nous pouvions donner quelques tuyaux à mon père pour qu'il arrête de fumer. Ce ne sont que trois projets parmi d'autres que nous tenterons de mener à bien cette année. En tant que maire junior, je m'inscrirai donc dans la poursuite et dans le développement de ces beaux projets. J'en arrive à la dernière partie de mes présentations, mes projets. Je crois que j'ai été élue car mes propositions ont semblé réalistes et accessibles. Parmi les 5 propositions de mon discours du 16 décembre, 3 ont rencontré un écho particulièrement positif. Je me permets de vous les exposer rapidement. Le premier projet, je l'avais intitulé « Skatepark pour tous ». L'an dernier, le CMJ avait assisté à l'inauguration du nouveau skatepark de Gantrange. Personnellement, je rêverais de pouvoir en faire. Je crois que les mots freestyle, BMX, skate, trottinette, roller font rêver beaucoup d'enfants à Thionville. Cependant, ma maman a peur que je me blesse. Et je crois que c'est aussi le cas des autres mamans. J'ai donc eu l'idée qu'à l'occasion des tickets sport, la ville puisse proposer des semaines d'initiation à la pratique des sports de glisse en skatepark et pour cela créer une association Skatepark pour tous. Aujourd'hui, j'ai mes rollers, mon BMX, ma trottinette et mon enthousiasme. Mais j'ai besoin de vous et du soutien du CMJ pour m'aider à créer cela. Le deuxième projet, je l'avais intitulé « Fierté thionvilloise ». Il s'agirait de rendre les défilés du 11 novembre, 8 mai et 14 juillet plus attractifs pour les enfants. Pour cela, j'ai plein d'idées. Parcours du combattant, défi de grimper à l'échelle des pompiers, atelier bricolage, food truck, barbapapa bleu-blanc-rouge, dragibus bleu-blanc-rouge, langue de chat aux couleurs de la ville, spritz à la forme de tête de Marianne, etc. Je sais que cette proposition a déjà trouvé un certain écho auprès d'associations patriotiques. J'aimerais donc pouvoir y associer le CMJ et réfléchir ensemble à ce projet. Le troisième projet, je l'avais intitulé « Passe culture ». Il s'agirait d'étendre le passe culture déjà existant pour les lycéens aux enfants du CM1 à la 4e. Il permettrait d'aller 5 fois gratuitement au théâtre, au cinéma, ou notamment de pouvoir utiliser un casque de réalité augmentée au puzzle. On m'a dit de rencontrer le responsable de cela au puzzle, où j'ai appris qu'il y avait déjà quelques casques. J'aimerais donc aussi pouvoir exploiter cette idée avec le CMJ. C'est avec grand plaisir que je rencontrerai M. Evgott pour lui exposer mes idées. Il est à côté de toi. On a pris rendez-vous. Il ne me reste plus qu'un projet à vous exposer. C'est mon projet bis. Tout comme vous, monsieur le maire, j'aimerais aussi proposer non pas une médaille, mais un projet coup de cœur pour cette année. J'aimerais, avec le CMJ, mener des actions qui puissent soutenir les associations de solidarité. Je vous avais exposé un projet de petit déjeuner solidaire. J'aimerais pouvoir, peut-être l'année prochaine, en lien avec le marché de Noël, en période hivernale, réfléchir à sa mise en place. En cette période de crise économique, j'aimerais m'engager avec le CMJ dans des actions de solidarité. Voilà, mon discours est terminé. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je vous remercie pour votre écoute. Y a-t-il des questions, des remarques, des précisions? Allez, Madame Schneider. Merci, Baudouin. C'était vraiment un très, très beau message que tu viens de nous faire. Et effectivement, tu l'as dit, ton projet est tous au défilé. Je l'avais demandé, je t'avais demandé si j'avais le droit, enfin, j'avais demandé à ta maman, si j'avais le droit de le lire lors de l'Assemblée Générale de l'UNC, des anciens combattants. Et elle m'a donné l'autorisation. Je leur ai lu ce projet, tout ce défilé, avec toutes tes idées, avec les petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Alors, ce qui a bien amusé tout le monde, c'était les spritz en forme de tête de Marianne.
Et alors, bien sûr, l'Assemblée, c'était des gens assez âgés, puisque c'est des anciens combattants. Et à la fin de mon discours, ils sont venus me voir en disant qu'ils aimeraient bien connaître ce petit maire junior, parce qu'il a l'air fantastique. Et ils avaient des frissons lorsque j'ai lu ce projet, et les larmes aux yeux. Donc vraiment, si on réussit à mettre ça en place, eh bien écoute, ils seront tous heureux, et moi aussi. Merci à toi, Baudouin. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Pas de prise de parole. Mais écoute, Baudouin, te remercie d'être venu. On va te proposer de rejoindre tes parents. Tu peux assister, parce qu'il veut être maire assez rapidement. Mais dit comme Rémy Dick. Alors, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années encore, et puis il faudra dire à Rémy qu'il a son successeur. Il y a Thionville. Ah, voilà. Donc, on est très content de t'avoir parmi nous. Tu vas nous accompagner toute cette année. Je sais que tu es très entouré aussi par tes frères et sœurs, par tes parents. Je crois qu'effectivement, on l'a vu avec Maxence, qui t'a précédé et qui était aussi très, très impliqué avec ses parents, qui va nous rejoindre certainement au conseil départemental comme conseiller départemental. Et je pense que toi, tu es très, très engagé dans la vie, on va dire, publique, on va le dire. Hein. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'on va t'accompagner dans toute ton évolution. Merci, Baudouin. Bonne soirée. Et puis, ne va pas coucher trop tard, hein, parce que demain, il y a l'école. Hein, hein. Voilà, merci. Donc, nous ouvrons ce conseil municipal. Avant de faire lecture de l'ensemble des procurations, je voulais simplement revenir un instant sur un événement qui, certainement, a touché beaucoup d'entre vous à travers le décès de Robert Maninter. Vous dire qu'il y a une réflexion qui est rapportée par la mairie de Thionville pour qu'il y ait un lieu mémoriel qui soit destiné à cet homme qui restera pour toutes et tous celui qui a aboli la peine de mort, mais qui a aussi dépénalisé l'homosexualité en France. Et ça, c'est sur une génération que je connais bien, parce que c'était septembre ou octobre 1981. Donc ça nous parle à toutes et à tous. Et donc, il y a une réflexion, j'en avais parlé avec Philippe, vraisemblablement, peut-être que le lieu soit proche du tribunal et pas très loin de tous les hommes qui entourent la mairie à travers le parcours européen des uns et des autres. Et donc, il est vraisemblable que nous proposerons, avant la fin de cette mandature, que le parking qui est juste en face de la mairie, qui est sur le quai Marshall et qui sera amené à disparaître lorsque le parking silo sera créé, qu'on en fasse un jardin et que ce jardin s'appelle Jardin Maninter. Voilà, mais tout ça sera dit parce qu'on ne peut pas passer, bien sûr, sous silence au regard du passé thionvillois et surtout de son inscription dans son ADN de l'esprit européen, de l'esprit humaniste, de l'esprit véritablement universaliste, de ne pas nommer un lieu mémoriel pour Robert Maninter. Je rappelle d'ailleurs que cette année, nous inaugurons deux lieux mémoriels, l'un pour Méliné et Misak Manoukian. On le fera le 26 juin au matin, puisque vous savez que nous inaugurons le grand complexe sportif qui s'appellera le SPOT, salle omnisport, salle polyvalente omnisport de Thionville, le SPOT. Donc il y aura à l'intérieur la salle Jean Burger qui sera dedans. Il y aura le gymnase qui aura vraisemblablement un nom, mais ça on se donnera du temps, moi ou mes successeurs, à travers les différents sportifs qui pourront peut-être se succéder dans l'imaginaire et dans l'histoire thionvilloise. Et donc le 26 juin au matin, nous inaugurons ce square qui se tiendra derrière en fait cette grande salle où il y a un cèdre bleu. Il y aura un aménagement paysager qui sera fait. Et donc cet endroit s'appellera Square Méliné et Isaac Manoukian. Et puis on aura le 10 novembre ou le 11 novembre, on n'a pas encore fixé parfaitement les dates, l'inauguration d'un square au nom de Kermit Arden, qui est un des GIs qui a libéré Thionville avec issu de la ville d'Urbana, et c'est M. Geoffrey Félici qui pilotera bien sûr cet aspect très mémoriel. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Je vais lire les procurations. Madame Pellicori a donné procuration à M. Harrault. Madame Boucheron-Icard qui va arriver avec retard à Pierre Alix en attendant. Madame Kerbe-Sandra, M. Simon Mallet, Madame Kiss à Brigitte Schneider. Il y a les sessions de la région, là, actuellement. Camille Monnier à Jacques-Yves Gott, Laurent Tcherche à Carole Thiel,
Schmitt, Véronique Schmitt à Emmanuel Bertin. Jean-Charles Louis qui va arriver avec retard, donc à Claude Gondicki en attendant. Monsieur Gondicki qui avait lui-même donné, donc il est là. Hein. Il est là. Donc nous supprimons le pouvoir de Monsieur Bider à Monsieur Krob, qui est ici présent, Madame Hein à Madame Jean. Monsieur Jasniak à Monsieur Niles, et qui nous informe que pour des raisons professionnelles et familiales, il ne pourrait sans doute plus assister aux conseils municipaux au moins pendant les 6 mois à venir. Donc il y aura une réflexion à avoir, mesdames et messieurs, pour que je vous rencontre, chef de groupe, pour savoir effectivement, je rappelle qu'il y a un nombre d'absences, et là on est déjà au-delà, donc il faudra voir un peu ce qui est possible de faire. Avec, bien entendu, il n'est pas question du tout de sortir un membre du groupe, mais on est aux limites, hein, parce que je crois que M. Jasniak, je crois que c'est 4 ou 5 absences aujourd'hui. Voilà, donc on est aux limites. Mais bon, ça ne porte pas à conséquence. Et Brigitte Weiss à Philippe Noller. Voilà, donc je vous propose d'ouvrir donc cette séance du conseil municipal en nommant M. Grandjean, Lucas, donc comme secrétaire de séance. Vous avez une modification de l'ordre du jour, puisque nous avons rajouté un point, qui est le point 21, qui concerne la désaffectation du presbytère de l'église Borga. On y reviendra au point 21. Et je vous propose donc de passer rapidement les communications au point 1, le point 2, le point 3, le point 4, pour arriver, sauf s'il y a des réflexions ou des demandes d'explications sur les points jusqu'au point 4. Pas de demande. Passons au point numéro 5, l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 11 décembre 2023. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Nous passons au point numéro 6, qui concerne la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Thionville, commerce, l'Office du commerce, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat. Je vais demander donc à M. Guézy de sortir de la salle, à Mme Thiel de sortir de la salle, à M. Louis qui lui-même est déjà sorti de la salle, et moi-même, parce que moi-même je fais partie du conseil d'administration de l'Office du commerce, et donc je vais céder donc protocolairement à M. Evgott la menée de ce point. Bien, il s'agit d'un point qui concerne la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et Thionville Commerce, l'Office de commerce, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat. Il s'agit bien entendu de renouveler cette convention pluriannuelle, de souligner l'efficacité de son action, en particulier un renouvellement de 25% du parc commerçant, la baisse de la vacance commerciale de 60% en 4 ans, l'augmentation du nombre d'adhérents de 44% entre 22... Et c'est Marie-Michel? Ah bon, alors c'est très bien. Moi, j'obéissais aux ordres du maire, aveuglément. Encore une fois, c'est une erreur. Il ne faut pas obéir aveuglément. Merci, Jackie. Parfait. Voilà, donc... Lors de sa réunion du 31 mai 2021, le Conseil municipal a approuvé la mise en œuvre d'une convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2023 avec l'Office du commerce, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat. L'efficacité des actions entreprises dans le cadre de la précédente convention est à souligner avec notamment un renouvellement de 25% du parc commerçant artisan du périmètre cœur de ville, soit plus de 100 nouvelles entreprises, la baisse de la vacance commerciale de 60% en 4 ans, l'augmentation du nombre d'adhérents de 44% entre 2022 et 2023, la mise en place d'un écosystème favorable à l'implantation liant les différents opérateurs locaux. Thionville Commerce œuvre à la redynamisation du cœur de ville et plus largement à l'attractivité du territoire, autant sur le volet communication marketing que sur les volets événementiels
et d'intelligence économique. Il est proposé donc de poursuivre le partenariat engagé pour la période 2024-2027 avec les orientations suivantes. Contribuer au développement d'une approche globale d'attractivité. Déployer l'offre d'accompagnement des porteurs de projets, des propriétaires, des enseignes, des investisseurs sur l'ensemble du territoire. Développer les partenariats avec les opérateurs publics et privés dans une logique de marketing territorial. Conserver l'expertise, le soutien au développement du programme Action Cœur de Ville. La ville attribuera ainsi annuellement à Thionville Commerce une subvention de 150 000 euros et prendra en charge la mise à disposition du local qu'il occupe, valorisé à hauteur de 15 000 euros annuellement. Le conseil municipal est appelé à en délibérer. Alors, juste pour rajouter un petit peu, les Capucins ne sont pas, vous savez que c'est un organisme qui est privé, donc ne rentrent pas dans cette convention. Voilà, pour rappel. Merci. Y a-t-il des remarques sur ce dossier ? Aucune ? Pas d'abstention ? Pas d'opposition ? Donc, le point est d'accord. On peut faire entrer Monsieur le maire et les adjoints et conseillers municipaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Evgott. Et je vais vous repasser la parole sur le point 7, 8 et 9 qui va concerner la composition d'une commission d'appel d'offres pour le théâtre Le Nest. Donc je passe au point numéro 7, Monsieur Evgott. Merci, Monsieur le maire. Je ne reviendrai pas sur tout ce dossier qui est riche en actions et en événements. On en arrive véritablement à la phase opérationnelle et bien sûr pour valider cette construction d'un nouveau centre dramatique national, il est nécessaire de composer une commission d'appel d'offres qu'on va intituler ad hoc avec bien sûr des modalités de dépôt de candidature et en particulier une réglementation qui ne présentera qu'une seule liste répondant aux obligations de représentation proportionnelle au plus fort, à savoir 4 postes pour la liste Thionville au cœur, 4 titulaires et 4 suppléants, 1 poste sur les listes Thionville le renouveau et Thionville citoyen, Thionville en mieux. Monsieur le maire, je vous laisse la parole pour présenter. Non, rien du tout. Très bien, alors c'est parfait. Rien du tout, c'est-à-dire qu'on va voter, est-ce que vous êtes d'accord pour créer un jury qui sera composé donc la CAO plus des membres qualifiés. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de. C'est volontaire, hein. Nous voulons que ce soit le plus ouvert. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Nous passons au point numéro 8, M. Evgott, qui est la composition du jury. Donc là, on va vous proposer une composition. On ne va pas nommer les noms. C'est au point numéro 9. Alors, construction de ce nouveau centre. Ainsi, le conseil municipal est invité à fixer la composition du jury du projet Nest. Ce jury ayant bien sûr voix délibérative comme suit, le président ou son représentant et les 5 membres élus de la commission d'appel d'offres ad hoc, des membres experts dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet de concours, ces membres sont désignés par le président du jury, des personnes qualifiées à raison d'au moins un tiers des membres du jury ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats. Ces membres sont désignés par le président du jury. Très bien. Pas d'opposition,
L'abstention, donc c'est sur la composition et le nombre. Alors, j'en viens simplement au point numéro 7. Vous pourriez possiblement proposer une liste, hein. Mais bon, je crois que ça aurait peu d'intérêt, hein, puisqu'il faudrait avoir une composition mixte avec notamment des personnalités ex-qualité, extérieures. Bon, voilà. Donc voilà, donc il y a une liste avec la composition qu'on vous a donnée. Et donc, nous vous proposons, donc sur le point numéro 9, la composition de la commission d'appel d'offres, qui serait composée, donc, moi-même, donc, en tant que président, bien entendu, titulaire, Jacques-Yves Gott, Jean-Charles Louis, Brigitte Schneider, Emmanuel Bertin, et un membre de l'opposition. Et suppléant, Patricia Renaud, Frédéric Sichet, Pierre Alix, Claude Gandicky, et un membre, on va dire, de la minorité. J'en reviens, pas d'opposition, sur la minorité. Sachant que les personnalités qualifiées, il y aurait Alexandra Tobelheim, en tant que directrice du NEST, puis des architectes, à la fois d'État, architectes du CAUE, voilà. Donc on aurait un certain nombre d'experts qui seraient à nos côtés. Donc, au niveau de cette liste, est-ce que vous avez un nom à nous donner? Alors, entre vous, est-ce que vous voulez que je vous fasse une interruption de séance de quelques instants? Allez. Un instant, vas-y Laurent. Laurent. Merci, Monsieur le maire. Donc, après en avoir discuté avec mes collègues, si j'ai bien compris, Brigitte Weiss serait titulaire et je serai suppléant. Et toi, suppléant. Ouais. Merci. Voilà, donc je vous propose de voter pour la composition de ce jury, composé par Pierre Cuny comme président, Jacques-Yves Gott, Jean-Charles Louis, Brigitte Schneider, Emmanuel Bertin et Brigitte Weiss comme titulaire, et Patricia Renaud, Frédéric Sichet, Pierre Alix, Claude Gandicky et Laurent Krobe comme suppléant. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Ce point est adopté. Et nous passons donc, alors pas au point numéro 10, parce que nous attendons la venue de Jean-Charles Louis qui est retardé. Et donc on va sauter ces points, on reviendra sur ces points. Je passe directement à M. Bertin au point numéro 13, qui concerne le contrat de ville. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit en fait de l'avenant à la convention d'utilisation de l'abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers politiques de la ville. En fait, le principe est simple derrière le nom compliqué. Les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement de 30% de leur taxe foncière sur les logements situés en quartier politique de la ville en échange d'un engagement sur la qualité et la cohésion urbaine. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2015 a conféré une dimension contractuelle à ces engagements en permettant aux collectivités d'entrer dans le tour de table au gré d'une annexe au contrat de ville. Cet abattement et la convention qui en découle s'étendaient jusqu'en 2020 au terme du contrat de ville. Ils ont été prorogés dans un premier temps dans le cadre d'un avenant spécifique jusque fin 2022, puis fin 2023, avant de faire l'objet d'une nouvelle demande de prorogation par l'État par courrier du sous-préfet en octobre dernier. L'enjeu est en fait de ne pas perdre le bénéfice de ces actions complémentaires menées par les bailleurs et financées dans ce cadre, durant la renégociation, par l'État notamment, des nouveaux contrats de ville et de l'établissement de la géographie prioritaire réactualisée. Pour notre commune, les montants en jeu s'élèvent à près de 108 000 euros sur les patrimoines de Mosellis
et 88 000 euros, pardon, pour le patrimoine de Batiger Habitat. Cet avenant marque la volonté des bailleurs de valoriser davantage d'actions qui contribuent à l'animation du lien social et à l'amélioration du cadre de vie en dédiant une partie de ces fonds à des projets qui sont déposés par des associations dans le cadre de la programmation annuelle du contrat de ville. Aussi à des actions traditionnelles de surentretien, de médiation sociale, de gestion des encombrants, de formation des professionnels, de services aux locataires, s'ajoutent des contributions à des actions menées par Apsis Émergence, par la CLCV, par le Centre social Le Lierre ou encore par la Maison des quartiers. Par délibération du 21 septembre 2023, le Conseil communautaire a pris acte du rapport annuel 2022 du contrat de ville qui incluait en annexe l'utilisation de cet abattement. Ces actions étant encore plus importantes dans un contexte d'accélération du nouveau programme de renouvellement urbain sur la Côte des Roses et de la réhabilitation des tours Saint-Pierre et du centre social Jacques Prévert, il est proposé au Conseil d'approuver les termes de cet avenant 4 de prorogation et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires. Merci Emmanuel. De parole. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Nous passons au point numéro 14, rentrée 2024-2025, organisation du temps scolaire. Monsieur Bertin. Merci. À l'issue d'une consultation menée en 2018, la ville de Thionville bénéficie d'une dérogation à l'organisation du temps scolaire, permettant la mise en œuvre des enseignements en école préélémentaire et élémentaire en 4 jours par semaine. Cette dérogation est valable pour 3 ans, ce qui nous a déjà conduit en 2021 à demander son renouvellement et nous amène à le solliciter à nouveau pour la période 2024-2027. À cet effet, les 19 conseils d'école ont été invités à se prononcer sur le renouvellement du cadre dérogatoire qu'ils ont unanimement approuvé. Les décomptes des votes qui figurent dans vos dossiers nous indiquent que sur 283 votants, 11 ont voté contre, soit un peu moins de 4% des votants. Aussi, il est proposé de demander la prorogation pour 3 années scolaires de cette dérogation, qui permet d'organiser les enseignements à raison de 3h30 le matin à compter de 8h30 et de 2h30 l'après-midi à compter de 14h, avec parfois de toutes petites adaptations de 5 à 10 minutes dans certaines écoles, sans modifier le volume global hebdomadaire de 24h par semaine. Le Conseil est appelé à approuver cette demande et à autoriser Monsieur le maire à mener les démarches nécessaires. Merci M. Bertin. M. Haro. Oui, merci. Bonjour à tous. Sur ce point-là, je comprends bien l'intérêt qu'il y a à demander cette dérogation. Je comprends bien l'intérêt pour les parents, pour les adultes en général. Je reste toujours, et je voudrais le rappeler quand même, que ce n'est pas forcément le sujet qui est le plus en rapport avec l'intérêt des enfants et au rythme des enfants, mais par ailleurs, effectivement, c'est l'intérêt certainement des parents et je le redis, et des adultes qui sont dans l'environnement des enfants. Donc voilà, ça va se faire. Je m'abstiendrai sur ce point parce que, comme je l'ai fait la fois précédente, comme on l'a fait la fois précédente, pour dire quand même que l'intérêt des enfants, c'est quelque chose d'important et ça semble moyennement pris en compte quand on s'arrange juste pour des... On organise des choses pour des aspects plutôt organisationnels. Quoi. Merci. M. Nounère, vous voulez dire quelque chose ? Parce que là, vous êtes... Comment ? D'accord. Non. Voilà. Puis, voilà. On constate en effet que la majorité des adultes, et l'ensemble des parents d'élèves d'ailleurs de mon école ont voté pour les 4 jours. Je leur ai dit que je continue de penser qu'une matinée de plus pour les enfants, ça permet de mieux apprendre, puisque c'est souvent les matins qu'on fait les matières fondamentales. Voilà, donc la semaine des 4 jours, c'est la semaine des adultes, pas celle des enfants ni des apprentissages. En tout cas. Pas d'autres prises de parole. Donc, pas d'opposition, abstention. Philippe, abstention, M. Nolaire. Abstention, voilà. Et donc, ce point est adopté. Nous passons au point numéro 15. Thionville Jazz Festival. J'ai dire pulsation, toi, c'est le vieux ancien qui parle. Festival. Voilà. Merci, allez, M. le maire. Vous avez tous vu l'article qui est consacré au festival de jazz ce matin dans la PQR. Donc, je ne vous apprends plus rien. Si ce n'est que
la convention qui était auparavant entretenue avec JASPOT se pérennise, c'était une promesse, avec l'organisation qui reprend en main le festival de jazz. C'est une association aussi de jazzeux. La subvention est de l'ordre de 28 000 euros. Elle sera reconduite, bien entendu, pour soutenir le projet. Et le programme me semble extrêmement intéressant et très bien fait, puisqu'il y aura, il y aura en plus de ce qu'il y avait avant, non seulement une véritable animation de jazz autour du théâtre tous les soirs, bien entendu, mais aussi on prendra en compte les groupes de jazz qui vont essayer de concourir centre-ville, sur un podium qui sera au centre-ville. Il y aura bien sûr une intervention du Conservatoire de musique aussi. Il y aura une animation qui sera faite avec les commerçants et en particulier des passages de bandes de jazz, de jazz band au sein de la ville. Donc pendant cette période du festival, dont je n'ai pas les dates exactes, mais qui se passeront début juillet, comptez sur une belle animation de jazz à Thionville, ce qui nous réjouit d'avance. Merci beaucoup. Merci. Pas de prise de parole. Ce point est adopté. Nous passons au point numéro 16. Association culturelle, attribution de subvention 2024. Monsieur Evgott. Merci, Monsieur le maire. Donc, très rapidement, je dirais que la globalité représente pour les associations, ce sont toutes des petites associations, hein. Il n'y a pas les grandes associations classiques thionvilloises. Ce sont les petites associations qui touffent, comme je le dis chaque année, une subvention en fonction des projets qu'ils offrent, ou simplement, s'il n'y a pas de projet, classiquement, une subvention de fonctionnement, le tout représentant je n'ai pas le chiffre exact, mais plus de 53 000 euros, ce qui représente même une somme considérable pour l'ensemble des associations. C'est à peu près identique à ce qui était présenté l'année dernière. Voilà, donc un fort soutien de la ville de Thionville à ces associations. Je vous remercie. Merci, Jackie. Nous accueillons Monsieur Jean-Charles Louis. Les points ont été retardés dans l'ordre du jour, Monsieur Louis. Vous pouvez prendre votre temps. Point numéro 17, subvention à l'Office municipal des sports. Je demanderai à Monsieur Pénagut de sortir, parce qu'il est membre de l'OMS. Donc, dans le cadre d'une subvention de fonctionnement, il est proposé de soutenir l'OMS à hauteur de 8 000 euros pour la tenue de la patinoire place Anne Gromersch dans le cadre des animations de Noël dernier. L'Assemblée voudra bien apporter l'attribution de cette subvention, l'attribution de cette subvention. Les crédits sont inscrits au budget 2024. Pas d'opposition, pas d'abstention. Nous adoptons ce point numéro 17 et nous demandons à M. Mallet d'aller chercher M. Pénagut. Merci. Point numéro 18, M. Gandecki, adhésion à l'association des collectivités publiques utilisant des systèmes d'information, l'ACPUSI. Ce n'est pas Octopusi, c'est ACPUSI. Donc, effectivement, dans la perspective d'améliorer constamment les fonctionnalités du logiciel de gestion des ressources humaines, CIRIL, ainsi que le portail dédié aux agents de la collectivité, notamment gestion des congés, des entretiens professionnels, des ordres de mission, etc., il est proposé d'adhérer à l'ACPUSI à compter de 2024 pour un coût annuel de 580 euros. L'ACPUSI est une association qui a été créée en 1984 sur l'initiative de trois villes et qui regroupe à l'heure actuelle environ 215 adhérents et 190 collectivités territoriales ou établissements qui utilisent donc les logiciels civils de la société CIRIL Group. Et donc, notamment, vous l'avez compris, c'est des logiciels qui sont utilisés au service ressources humaines de la ville. Donc, l'association a pour but de défendre les intérêts de ses membres en se faisant leur porte-parole auprès des fournisseurs de logiciels, donc notamment CIRIL. Il propose également des réunions utilisateurs annuelles et des groupes de travail thématiques sur des thèmes comme les ressources humaines, la formation, le recrutement et les finances. La présente adhésion permettra en outre à la ville de gagner en visibilité quant aux demandes exprimées aux prestataires CIRIL. Le conseil municipal est appelé à en délibérer. Merci. Merci Claude.
Pas de prise de parole, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 19, formation des élus locaux en 2022 et 2023. Monsieur Bertin. Merci, monsieur le maire. Deux cadres distincts structurent le recours à la formation par les élus. La mise en œuvre du droit à la formation par la collectivité, qui s'inscrit strictement dans l'exercice du mandat municipal. D'une part, le droit individuel à la formation sur un champ beaucoup plus large, sans participation de la collectivité, d'autre part. Pour la première catégorie, nous avons délibéré en octobre 2020 pour délimiter le cadre et mis en œuvre un plan de formation en 2022 qui incluait quatre modules, la gestion d'urgence et l'anticipation en avril et en mai, l'affirmation de soi en juin, la négociation raisonnée en octobre et les outils et méthodes de la gestion de projet en septembre. Nous avons également donné suite à la demande de participation d'un conseiller municipal pour une formation sur le thème de la transition du territoire pour un coût de 930 € net. Pour 2023, aucune formation n'a été recensée. Une nouvelle offre de formation sera proposée au cours de cette année 2024. Le conseil est invité à prendre acte du présent bilan. Merci. Emmanuel, pas de prise de parole, ce point est adopté. Point numéro 20, personnel communal, service de médecine préventive avenant à la convention avec l'AGESTRA. Monsieur Bertin. Oui, merci. Il s'agit d'un avenant à notre convention avec l'association AGESTRA concernant la santé au travail. Cette convention prévoit de confier au centre inter-entreprise de santé au travail les missions du service de médecine préventive et le soin d'organiser les visites médicales des agents municipaux. Cet avenant vient modifier le montant de la cotisation annuelle par agent pour la fixer à 90 € en lieu et place de 81,63 €. Les autres dispositions demeurent inchangées. Le Conseil est appelé à approuver les termes de l'avenant et autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 21, désaffection du presbytère de Borgard. Monsieur Alix peut rester parfaitement dans la salle, Madame Angeau. Monsieur Alix peut rester dans la salle. Président du conseil de fabrique. Allez, dehors, monsieur Alix. Désaffection du presbytère de Borgard. Le conseil de fabrique. Conseil de fabrique de l'église catholique de Borgard et propriétaire du presbytère de Borgard, cadastré section 69, numéro 41. De 6 à 60 centiards, situé rue Sainte-Élisabeth. Le Conseil des fabriques a décidé par délibération du 12 septembre 2023 de céder le presbytère de Borgard, ce dernier étant vacant depuis de très nombreuses années. Il a, conformément à l'article L2541-14 du Code général des collectivités territoriales, sollicité l'avis de la ville quant à la désaffection de ce bâtiment et à sa cession. Aucune observation particulière n'est à formuler. Le conseil municipal est appelé à émettre un avis favorable à la désaffectation et à la cession du presbytère de Borgard. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Prise de parole, monsieur Haro. C'est pas sur le fond, mais sur la forme, pourquoi ça a été rajouté ? Il y avait une urgence, il y a... Oui, parce que c'est la question. Il leur faut absolument une délibération du conseil municipal pour leur permettre de pouvoir vendre ce presbytère. Et donc, ça faisait effectivement plusieurs mois qu'ils nous demandaient de l'inscrire au conseil municipal. Mm-hmm. Voilà. Mais il y a un projet en cours déjà, ou vous, vous ne savez pas ? Poser la question au président du conseil de fabrique. La ville, elle n'est pas... Voilà. Merci. Vous pouvez poser la même question dès qu'il va rentrer, dès que monsieur Alix. Pas d'opposition, pas d'abstention, ce point est adopté. On va chercher monsieur Alix et vous pouvez poser la question à monsieur Alix. Monsieur Haro, vous pouvez reposer cette même question à monsieur Alix. Oui, sur le point qu'on vient de voir, j'aurais aimé savoir s'il y avait déjà des projets en cours par rapport à une vente ou... Par rapport à la vente du presbytère. Oui, tout à fait. Oui, il y a un acquéreur qui est déjà... Il y a un acquéreur potentiel pour faire des appartements sans...
en conformité avec le bâtiment. C'est-à-dire, voilà, ce sera des appartements et le bâtiment reste tel qu'il est. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez où il se situe, rue des Frères. Rue Sainte-Élisabeth, pardon. Oui, je confonds. Donc, nous passons au point numéro 22, en fait, dans ce cas-là, puisque c'était le point 22, désaffection et déclassement du domaine public communal d'un terrain rue de Cormontagne. Monsieur Schreiber. Moi, je l'avais en tant que numéro 21. Mais bon, oui, mais comment on a rajouté le point 21, qui est déclassement. Je n'ai pas noté. Ah oui, non, mais moi, je réactualise le logiciel en permanence. Tu sauras pourquoi je n'ai pas tout noté. Merci. Donc, le conseil municipal, lors de la séance du 25 septembre 2023, avait autorisé la signature d'un compromis de vente possédant une surface à extraire d'un terrain qui était cadastré numéro 16-170, situé rue Cormontagne. Le dit terrain ayant été acquis suivant un acte administratif du 30 mars 1998 en vue de réalisation d'équipements publics. Donc, il est nécessaire de procéder à son déclassement. Un procès-verbal de constat en date du 8 janvier 2024 a été établi par la police municipale qui atteste de la désaffection du terrain. Il est proposé de constater sa désaffection et décider de son déclassement afin de régulariser l'acte de vente. En outre, pour permettre la réalisation du projet immobilier de la société Adim Est, il est préconisé de déroger au cahier des charges et conditions applicables à la vente des terrains communaux sous réserve que l'acquéreur produise une garantie financière de l'achèvement sur l'ensemble du projet bénéficiant à la ville. C'est ce qu'il a fait. Il est rappelé que la cession intervient au profit de la société Adim Est ou toute société à créer de droit européen agréé par la ville, au prix après estimation de la direction départementale des finances publiques de la Moselle de 3 168 000 euros hors taxes, frais d'acte et d'arpentage à la charge de l'acquéreur. Je tiens à préciser que c'est un équipement particulièrement important doit s'inscrire notamment dans le pôle d'excellence du lycée de la Briquerie. Et aujourd'hui, nous avons en instruction un permis de construire un permis de construire modificatif en instruction pour y rajouter un amphithéâtre à peu près de 150 à 200 places avec des sièges rétractables. Tant que ce n'est pas éjectable. Donc ça ferait un quoi rétractable, parce que ça fera une grande salle en plus. Merci. Bah Pierre, bah oui, il veut nous dire un mot. Pierre, il est tout à fait impliqué dans cet énorme projet, qui n'est plus un projet d'ailleurs. Oui, je peux. Non, je ne suis pas sorti. Mais... Ah non, ça, il n'est pas. Parce que je financièrement, c'est la société. C'est pas lui. C'est la société qui gère cela. Mais effectivement, le projet, dans le cadre du campus international, du campus d'excellence internationale de la transition énergétique et de la décarbonation de l'industrie, nous avons été labellisés dernièrement. Et nous avons répondu également à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de France 2030. Donc nous avons obtenu des fonds importants qui nous permettent de travailler sur l'ensemble de la région Grand Est au développement des formations et au travail avec les entreprises dans ce cadre-là, que ce soit les différentes énergies solaires, éoliennes, que ce soit l'hydrogène, que ce soit la biomasse, etc. Voilà. Donc c'est un grand projet qui se concrétise petit à petit et qui met en synergie, en fait, les entreprises et les centres de formation pour mettre en place ce projet. Nous avons des liaisons avec d'autres établissements également à l'étranger, puisque nous avons des partenaires à la fois en Autriche, en Roumanie, en Irlande, au Kenya. Nous avons accueilli récemment 15 professeurs kényans et nous allons nous rendre au Kenya très prochainement également pour les rencontrer. Voilà. Donc,
et en Italie également. Voilà. Ah. Nous allons nous rendre, c'est-à-dire que le proviseur adjoint se rendra aussi ou il sera en retraite ? Je ne serai pas encore en retraite puisque nous nous y rendons au mois d'avril pendant les vacances d'avril. D'où la vaccination sur la fièvre jaune, monsieur. Voilà, exactement. Voilà, j'ai compris. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc c'est l'entrée de Thionville, hein, là, c'est la sortie de Thionville ou l'entrée de Thionville, ça dépend dans le sens. C'est vraiment positionné vraiment au niveau de Courmontagne. Vous savez que là où c'est situé, nous sommes à la limite de ce qu'on appelle la ZAC Courmontagne qui va bientôt être attribuée. C'est ZAC Courmontagne qui va permettre de remettre en évidence tout le patrimoine exceptionnel de Courmontagne, et notamment de l'hôtel, de l'hôpital, l'hôpital militaire, de toutes les fortifications. Je rappelle à toutes et à tous que ce qui dépasse de terre représente un tiers de ce qui est enfoui aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur le professeur d'histoire-géographie ? Voilà, et donc il y a vraiment une recomposition complète de cette entrée de ville qui fait partie, bien entendu, de ce qu'on appelle Thionville 2030, avec ce septième projet qui est un projet absolument important, capital pour l'image, mais pas que l'image, sur la mise en évidence du patrimoine du territoire thionvillois. Point numéro 23, bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concertée Thionville rive droite, monsieur Schreiber. Donc par délibération du 19 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé les objectifs poursuivis pour le projet Thionville rive droite sur lequel nous avions imaginé la création d'une ZAC. Donc dès qu'il y a création d'une ZAC, il y a l'application du code de l'urbanisme, notamment l'article L300-2 du code de l'urbanisme qui donne l'obligation d'une concertation. Donc cette concertation, elle a eu lieu. Donc à l'issue des études préalables, le projet urbain propose donc une programmation de 1100 logements, dont 25% de logements sociaux, 13 400 m² de bureaux, 1 250 m² de commerce et un groupe scolaire. L'accessibilité à la gare, parking silo, mode doux, ainsi que la mise en valeur des berges de la Moselle constituent également un axe fort du projet. Le plan guide du projet de ZAC et ses évolutions ont été portées à la connaissance de la population par le biais de différents canaux, donc deux réunions publiques, une maquette de projet, des articles dans la presse locale, des publications dans le journal de Thionville, une information des habitants par le biais de la maison des projets et un registre d'observation de suggestions disponibles en version numérique ou papier ouvert au public. Donc les thématiques qui ont été abordées sont les suivantes: le parti architectural, l'intégration urbaine, l'association des résidents actuels du quartier au projet, le confort d'habiter et le bien-être des résidents, la politique de stationnement et de mobilité en lien avec l'accès à la gare, les services et mises en place dans le futur quartier, les modalités calendriers de commercialisation et la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme actuellement en vigueur. Donc je tiens à préciser qu'en termes de, concertation, nous avons fait une réunion publique. Lors de cette réunion publique, il y a eu 60 personnes qui étaient présentes et puis qui ont posé des questions auxquelles nous avons répondu. Et nous avons également sur notre site publié ce projet sur notre site, et sur notre site il y a eu exactement 687 visites. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu, je dirais, d'objection majeure par rapport à ce projet ou cette esquisse de projet. Il y a une personne qui a manifesté l'intention de quitter les bâtiments qui se trouvent à proximité immédiat
la descente de l'ouvrage d'art du BHNS, auquel nous avons répondu favorablement. Nous allons répondre favorablement. Voilà. Donc le conseil municipal est appelé en délibéré. Je tiens à préciser que l'ensemble de la zone faisait combien faisait je sais plus combien 150 hectares et qu'on a réduit de moitié tout simplement parce que la SNCF voulait se garder la partie sud de cette zone parce qu'ils ont des projets notamment par rapport à leur déplacement, parce qu'ils ont trois brigades qui sont dispersées actuellement sur le territoire, qui veulent rassembler à cet endroit-là, notamment. Monsieur Arrault. Oui. Ma question le portera sur où elle serait, du type LBHNS dans tout ça. Où on en est, si là on a l'impression que ça s'intègre, etc. C'est pas cette impression-là qu'on peut avoir quand on regarde les réunions du SMITU qui ont eu lieu ces derniers temps. Je vous propose demain soir de poser cette question. Ça continuera, mais ça m'intéresserait quand même qu'on dise dans ce conseil municipal si où on en est sur ce où s'en est, parce que ça me semble là. Évident, alors que ça ne semble pas du tout évident, et que demain soir, ça nous le dira peut-être aussi, mais je pense que là, il y a des gens qui nous écoutent, donc ils ont quand même envie de savoir, et ils ne sont peut-être pas disponibles demain soir. Quand même. Je vais reprendre. Alors, soyons clairs, le développement de la rive droite n'a pas de lien avec le BHNS en lui-même. Le développement de la rive droite, je vais y venir, le développement de la rive droite nécessite des ouvrages de franchissement de la Moselle qui sont faits aujourd'hui et qui vont être mis en service pour le pont, les deux en même temps, d'ailleurs, de Gasperi à Edenhofer, dans les 6 à 8 mois à venir. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a le problème du BHNS. Là, je me retrancherai. Il y a un nouveau président, il y a un nouveau bureau syndical. Ce qui est clair, c'est que cette volonté affichée d'impulser une gouvernance avec tout le travail colossal qui a été fait, et je rends hommage, mon cher Roger, à toi et à celles et ceux qui t'ont précédé, Jean-Marie Mison, toi, pas ceux qui t'ont précédé, parce que ceux qui t'ont précédé, c'est eux qui ont mis à mal, et vous le savez très bien, les finances du SMITU, parce que je rappelle, il faut que tout le monde ait en tête qu'il y a 6 à 7 millions d'euros qui étaient détournés du VT majoré et qui permettaient de faire fonctionner la Transfench. Et jusqu'à preuve du contraire, ici dans cette salle, personne n'était dans les instances qui ont décidé cela. Sauf peut-être ceux que personne n'était dans les instances. Et notamment, certainement pas ma mandature, la mandature dirigée dans un premier temps par Anne Remerche, puis par moi-même. Donc, il faut regarder ce qui s'est passé entre 2008 et 2014. Bon, ça c'est une chose. Nous avons la volonté avec le président Ligouin, parce que vous savez qu'aujourd'hui, donc, la fusion est actée, de remplir, de remettre les 6 millions qui manquent. De toute façon, il manque 6 millions. Alors, de toute façon, on ne peut pas à la fois dire il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de bus, mais on ne veut surtout pas payer. Et ça a été la mentalité pendant 15 ans. On ne paye pas, mais on veut des bus. À un moment donné, si on ne paye pas et qu'on veut des bus, soit on a un service dégradé, on ne fait plus passer les bus, soit on va piocher les 6 millions ou 7 millions qui doivent être consacrés au BHNS pour financer du fonctionnement. Donc aujourd'hui, clairement, je le dis, le projet BHNS ira jusqu'au bout, parce que ça, c'est un projet qui est porté par tout le monde, par tous les élus, de tous bords politiques aujourd'hui. Deuxième élément, nous avons décidé de phaser le projet afin qu'il soit soutenable financièrement, et que je rappelle que à un moment donné, notamment les exigences des financeurs voulaient que le projet soit entre 2024 et 2026. Il est phasé, les ponts vont être mis en circulation, le centre de maintenance va être construit, là, il va être lancé dans quelques mois. Il y aura un effort financier à faire, clairement, et je le dis, de toute façon, j'invente rien, hein. Ce que je vous dis, je le dis depuis des années, hein. Si on ne met pas l'argent qu'il faut, toutes les autres collectivités l'ont fait, il n'y a que la collectivité, on va dire, Thionville-Fench,
et puis les autres, qui ont décidé de ne pas payer le service rendu. Ben, ça ne peut pas marcher. Donc soit on dit pas de mobilité et on ne paye pas plus, soit on met les 6 millions qui manquent et vous aurez un service de transport, bus électrique, voire hydrogène, certainement en deuxième partie après les années 2030-2032. Vous aurez un service rendu à la population, le BHNS en forme optimale qui fonctionnera. Donc voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas l'arrêter, le BHNS, Guy. On ne peut pas l'arrêter. Non, mais je veux dire, on ne peut pas l'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, imaginons, parce qu'il faut que tout le monde soit et le même niveau d'information. Lorsque nous sommes arrivés, et lorsque, en particulier, je suis arrivé aux affaires, en 2016, quand j'ai commencé à dire on va arriver à arrêter le BHNS, on dit, bah, vous pouvez l'arrêter, mais vous devez rembourser 70 millions d'euros. Le problème, il est clair. Donc moi, je reporte, et je n'aurai de cesse de reporter à ceux qui nous ont précédés la gabegie financière qu'il y a eu. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, mais c'est celle-là, il faut le savoir. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est sorti et qui a parfaitement pointé les responsabilités des uns et des autres, dont ceux qui étaient à ma place entre 2008 et 2014, clairement, puisqu'il y a eu de l'utilisation de fonds du VT majoré, qui a été utilisé pour faire fonctionner une magnifique entreprise, et je le dis sans ironie, une magnifique entreprise Transfench, mais qui était gérée peut-être un peu de façon compliquée. Voilà. Et donc, clairement, et Rémi Dic, on est tous sur cette voie, comme vous, Guy, comme vous tous, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer avoir une agglomération de 160 000 habitants et continuer à avoir 3 voitures par habitant. Ce n'est pas possible. Parce que de toute façon, il suffit de voir le pont des Allies aujourd'hui, les mille logements qu'il va y avoir en plus, le cadencement des trains, il faut que vous ayez tous en tête qu'à partir de 2027, on va multiplier par 2 le nombre de voyageurs. Donc c'est pour ça qu'on s'adapte. La rive droite, celles et ceux qui ont hurlé au loup sur la passerelle, bah, qui viennent aujourd'hui voir le nombre de gens qu'il y a sur la passerelle. Mais c'était pourquoi ? C'est parce qu'on savait très bien que demain, si on veut accéder à la gare, ça sera plutôt en mode doux et plutôt par des voies d'accès que n'aurait absolument pas pu compenser le pont des Alliés. Le pont des Alliés, aujourd'hui, quand on m'explique encore il y a 4-5 ans que le pont des Alliés, il est embouteillé parce qu'il n'y a plus de tournée à gauche, enfin, on n'est pas dans le même degré de réflexion, c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de voitures, tout simplement, de plus en plus de voitures qui viennent de l'extérieur, parce que les Thionvillois plutôt ont plutôt tendance maintenant, il suffit de se voir le matin pour celles et ceux qui prennent le bus, le train, ils vont souvent à pied par la passerelle, les trains, les bus, ce sont qui viennent de l'extérieur, qui viennent se positionner, d'où le parking silo, d'où le deuxième parking silo qu'on va enclencher dès 2027 sur Cormontaigne, il y aura un deuxième parking silo, d'où le troisième parking silo qu'on va construire sur la place du Luxembourg. Donc tout ça, il y a de la cohérence. Et donc le bus au niveau de service, il a toute sa place. Et je vais même aller plus loin, puisqu'en tant que président du pôle métropolitain, je porte un projet de bus au niveau de service entre Thionville et tu le sais très bien, et Escher-Alzette. Voilà, donc, on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est parfaitement construit, les projets sont parfaitement construits, mais il faudra le financer. Voilà. C'est 6 millions. Il manque 6 millions, mais depuis, il manque 6 millions depuis, Roger, depuis 7-8 ans. J'ai envie de dire que c'est Anne Gromersch qui a commencé à rétablir la situation, on ne peut pas la rétablir. Ben, c'est pas le Gromersch, c'est Jean-Marie Mizon. C'est Spitu, c'est Spitu. C'est le Spitu, à travers le Spitu, c'est l'agglomération, hein, l'effecteur, et je l'ai toujours dit, on ne bougera pas, je le dis à tous les Thionvillois de Thuin, on ne bougera pas la fiscalité à Thionville jusqu'en 2026, on ne bougera pas. Par contre, au niveau de l'agglomération, vous êtes à l'agglomération, il y aura des votes, on ne peut pas... Alors, l'augmentation, si fiscalité augmente à l'agglomération, même si c'est de trop, c'est faible, puisqu'on a des taux très faibles, l'agglomération. Quand je regarde les taux dans toutes les autres grandes agglomérations, on n'est pas à 3 points de taux, hein. On est à 5, 6, 10, 12, 15 points de taux à Nancy. Je crois que les taux sont à plus de 10%, hein, David. À Nancy, les taux de la métropole, je crois que c'est 10 ou 12%. Hein. Ils augmentent encore, mais c'est même 15. Donc on a des taux très bas. Mais il faut à un moment donné... mettre l'argent pour faire un système de mobilité qui soit cohérent. Voilà. Pas d'autres...
Voilà, donc c'est un bilan. Je ne sais pas s'il faut en prendre. C'est un vote ou si on en prend acte ? La mange-nous. On approuve. Bah, qui est contre alors ? Approbation. Tout le monde est pour. Allez. Et je rappelle que j'ai re-rencontré des gens, effectivement, qui sont logés par un bailleur qui s'appelle ICF. Il y a 12 personnes qui sont le long de la rampe. Et donc, je les ai, bien sûr, rassurés. Je les ai rencontrés longuement. Et donc, il y aura des solutions qui seront trouvées. Ils auront soit, effectivement, le bâtiment sera détruit. Alors, on est dans une temporalité de 8-10 ans, hein, de 6-8-10 ans. Soit ils voudront rester près de la gare et on trouvera une solution. Soit ils seront relogés, comme lorsqu'on a lancé l'ANRU 1 et l'ANRU 2, sur un quartier Thionville-Oise, là où ils le veulent. Hein. Point numéro 24, gestion de la forêt communale, renouvellement d'engagement, Monsieur Hamelin. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération en date du 19 novembre 2018, la ville s'était prononcée favorablement pour l'adhésion au programme de reconnaissance des certifications forestières. La durée d'engagement était de 5 ans. Celle-ci arrive à échéance. Pour rappel, la certification forestière, PEFC, un acronyme anglais, merci de ne pas me demander la traduction, est un système garantissant, d'une part, que le propriétaire de forêt met en œuvre une gestion durable de celle-ci, et d'autre part que tout au long de la chaîne de transformation et de distribution, les produits issus de la gestion durable sont parfaitement identifiés. Elle est conçue au plus près des intérêts économiques, sociaux et environnementaux de la forêt. Concrètement, et l'apparition d'un logo en attestant, elle permet de valoriser les bois de la commune lors des ventes, notamment dans un cadre concurrentiel et international, d'accéder aux aides publiques en lien avec la forêt, de bénéficier d'une meilleure visibilité de la bonne gestion mise en œuvre en forêt, de participer à une démarche de filière en permettant aux entreprises locales d'être plus compétitives, car PEFC regroupe tous les acteurs de la filière forêt-bois française. La durée de l'engagement est toujours de 5 ans, et le coût de l'adhésion, qui n'a d'ailleurs pas augmenté, comprend une contribution forfaitaire de 20 euros, ainsi qu'une part variable de 0,65 euros par hectare, soit un total de 481,50 € pour la forêt de Thionville. La commission de la forêt communale a émis un avis favorable à l'adhésion proposée. Je rajouterai qu'il y a une visite de contrôle de la forêt qui va avoir lieu le mercredi 24 avril le matin, auquel la commission communale de la forêt sera invitée, ainsi que les personnes que ça intéresse, que grâce à cette certification, nous allons toucher cette année une subvention FEDER qui avait été prévue en 2019 et à l'issue de ces 5 ans, les replantations ayant perdu moins de 20% de ce qui avait été prévu, nous toucherons donc cette subvention FEDER pour la plantation qui avait été faite en 2019 sur la parcelle 12 de 2700 chênes. Voilà, donc le conseil municipal est appelé à approuver l'adhésion de la certification forestière PEFC et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe. Pas de remarques. Ce point est adopté. Nous passons au point numéro 25, Patricia. Mise à disposition de locaux au profit d'associations ou d'organismes. Effectivement, il est ici proposé d'autoriser l'association Adoptionis à utiliser les samedis matins des locaux d'une surface de 70 mètres carrés environ, située dans l'immeuble 694 route de Gentrange. Ce bâtiment étant déjà mis à disposition de l'association DAC 57, et donc cette mise à disposition se ferait en accord avec cette dernière. Le conseil municipal est appelé à en délibérer. Merci, Madame Renaud. Oui. Ah oui. Une précision par rapport à ma précédente présentation. En fait, il ne s'agit pas de 30 hectares en tout et 15 mutins. C'est 30 hectares en tout et 15 mutables. Oui, j'avais dit 60, j'avais dit 60 et 30. Oui. Donc je voulais apporter cette précision. Oui. Merci. Non, on va le voter. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. De toute façon, cette maison du sang, du don du sang, rappelez-vous, qui va être détruit là aussi et qui sera, on reconstituera l'offre dans la maison de la solidarité qui sera sur la rive gauche. Et nous passons, mon cher Jean-Charles,
aux points 10, 11 et 12 qui concernent la Clète. Merci, monsieur le maire. Vous n'allez pas arriver en retard ce soir. Hein. Oui. Mais moi, c'était pour une bonne raison. Non, mais ce n'est pas pour toi que je dis. Mais... Ah bon, d'accord. Donc, la Clète s'est prononcée récemment, en décembre plus précisément, sur le transfert de la prise en charge du TRITIC à la communauté d'agglomération. Jusqu'à présent, le TRITIC bénéficiait de subventions versées par la ville de Thionville, la ville de Yutz et la communauté d'agglomération. C'est devenu un club communautaire et donc la part de la ville qui est de Thionville, qui est de 10 500 euros, est dorénavant prise en charge par la communauté d'agglomération. Donc c'est une dépense que nous n'aurons plus et en compensation, l'attribution de compensation de Thionville baisse de la même somme, c'est-à-dire de 10 500 euros. Le conseil municipal est appelé à approuver ce transfert. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est les mécanismes habituels. Hein. C'est-à-dire personne n'est perdant, personne n'est gagnant. Ce qu'on enlève de nos dépenses, on les retire. C'est neutre pour les voilà, finances c'est neutre. De la ville. Voilà. Point numéro 11. Donc il s'agit là de la contribution eau pluviale. Les critères n'ont pas été révisés depuis la création de la communauté d'agglo, plus précisément depuis 2006 et sa composition actuelle. Et donc, en 2015, la CLET avait fixé le principe d'une révision annuelle. Cette périodicité a été ramenée à deux révisions par mandature en 2020. Donc, en 2023, procédons à l'une de ces révisions. Et la contribution de la ville de Thionville entre 2020 et 2023 augmente de 1 435 euros. Voilà, monsieur le maire. Merci, Jean-Charles. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Le point 12. Qui terminera, qui est le point 12. Voilà. Qui est la révision de l'attribution de compensation pour l'année 2024. Alors. C'était un très long travail qui a été porté à l'agglomération et qui a montré quand même le degré de maturité que cette agglomération a désormais. Je rappelle que nous avions des critères d'attribution qui dataient de 2004-2005, qui avaient été figés dans le marbre et pour lesquels il y avait de façon récurrente, depuis 2007-2008, des demandes récurrentes de certains maires qui disaient « mais il faut remettre à plat ». Je vous prends un exemple, tout bête, sans montrer du tout, mais par exemple, à Manom, l'attribution de compensation qui avait été votée à l'époque, 2004, on prenait la taxe professionnelle qui était perçue par la ville, la taxe professionnelle a été transférée à l'agglomération, et donc la ville touchait ce qu'elle aurait dû toucher en taxe professionnelle. Et l'agglomération s'est créée en 2004, 1er janvier 2004, et à fin 2004, Scholtes a fermé. Et donc, pendant 20 ans, Manom a touché une taxe professionnelle qui était liée à Scholtes. Et c'est inscrit dans le marbre. Et c'est la loi. Et donc, depuis très longtemps, et notamment quand j'ai repris l'agglomération, j'ai eu de façon récurrente des demandes de certains qui disaient qu'il faut qu'on revoie cette attribution. Et je prends le cas de Terville, qui, eux, n'avaient absolument pas de zone d'activité communautaire, et qui avait donc très peu d'attribution de compensation, et qui disait, mais nous, pendant ce temps-là, on a développé une santé, et ainsi de suite. Et donc, on devrait avoir une attribution supérieure à ce qu'on a. Et donc, je pense que vous avez assisté certainement à des prises, à des combats, même parfois, qui précédaient ma venue, du temps de Patrick Buxembourger, de Patrick Weyten, de Bertrand Merz, où ça a été récurrent. Et donc, en 2020, j'ai demandé à Olivier Postal de porter une réflexion sur, de trouver un consensus entre nous tous pour que les communes perdent le moins possible et que celles, quelque part, qui avaient le plus d'attributions, en perdent le moins possible. Alors, j'ai déjà demandé à ce qu'il n'y ait plus d'attributions négatives puisqu'on était dans la constitution d'une agglomération. Je me suis aperçu que depuis 2007, puisque quand les communes du plateau sont arrivées à l'agglomération, il y avait des communes qui n'apportaient rien, et donc on leur enlevait de l'argent.
Et donc j'ai demandé, un, qu'il n'y ait plus de compensation négative, tout le monde a été OK, et que deux, on remette à plat complètement le système. Et on arrive à ce consensus où globalement, on a un consensus où les plus perdants, qui est la ville de Yutz et de Thionville, perdent, c'est très acceptable. On est de l'ordre de 100 000 pour Thionville, 60 000 pour Yutz, 45 000 pour Yutz. Et celles qui gagnent ont aussi modéré, puisque Terville, à un moment donné, prétendait avoir 400 ou 500 000 euros de plus. Et en fait, on a transigé sur combien de ces 200 ou 250 hein, 200. Pour Thionville, 145 000 euros. Non, mais je veux dire, 145 000 au total, oui, et pour Terville, et pour Terville, voilà. Pour et donc, Terville, on a trouvé ce consensus qui nous a permis maintenant d'aborder sereinement la fusion sans qu'il y ait des rancœurs. Parce que je rappelle que ces rancœurs étaient présentes depuis la création de l'agglomération, où certains, je le redis, et qui expliquaient aussi parfois les conseils communautaires qui étaient à un moment donné terribles. Moi, je n'ai pas insisté, mais je pense que ceux qui ont insisté, où il y avait quasiment une inimitié complète entre les différents acteurs autour de la table communautaire. Voilà, c'était pour vous redonner le projet. Et je trouve que ça a été très bien mené. Le maire de Terville a très bien mené les opérations et la recherche de consensus. Et ça montre qu'à un moment donné, quand on veut avancer, c'est le problème qu'on va avoir avec le SPITU. J'en reviens un instant. SPITU, il y a les communes isolées qui disent « nous, on ne veut pas mettre la main au pot ». Parce qu'ils disent « nous, on n'a pas de BHNS, pourquoi est-ce que nous, on va payer pour les autres ?» Et donc, il y a tout un travail maintenant qui devra être mis en place par le président du SMITU pour trouver un consensus où personne ne perd et quelque part, tout le monde gagne quelque chose. Et quand je dis gagner, pas obligatoirement pécuniairement, mais c'est sûr que lorsqu'à Thionville, on crée deux ponts de franchissement sur la Moselle, c'est quand même porté par le SMITU et pas par la ville de Thionville. Donc tout ça doit rentrer dans la balance et dans notre réflexion. Jean-Charles. Eh bien, monsieur le maire a tout dit, donc c'est une plaisanterie. Pour Terville, c'est 234 000, pour voilà, être précis. Voilà. Donc, le bilan de ce travail qui a été effectué conduit à deux communes qui se retrouvent à zéro parce qu'elles avaient une attribution négative. Deux communes ont des recettes fiscales plus élevées, dont Terville, et neuf communes présentent des recettes fiscales moins élevées, dont Thionville. Ceci conduit donc à une baisse de l'attribution de compensation de Thionville de 145 171 euros, ce qui ramène l'attribution de compensation annuelle pour Thionville à 7 612 497 euros. Le conseil municipal est appelé à valider cette révision. Merci Jean-Charles. Pas de prise de parole. Eh bien, écoutez, ce point est adopté à l'unanimité, il faut le noter. Je vous remercie toutes et tous, c'est le conseil municipal le plus court hein, qu'on a eu à faire depuis au moins 7 ans, depuis que je suis maire. On a fait plus court ? Non. Une heure et quart comment ? Oui, record battu. Je remercie l'association de la langue des signes et vous souhaite une excellente soirée.